Bienvenue, bienvenue sur Jésus-Christ Original. Voilà, j'espère vraiment que vous allez bien. Merci d'être déjà abonné. Dans le cas contraire, abonnez-vous pour ne rien rater. Voilà. Et je fais cette vidéo sous le sang de Jésus-Christ. Voilà. Au fait, je vous avais promis de vous détailler le signe sur lequel Blanche Tunassi était décédée. Voilà. Et on voit sur la première ligne, premier cas, puisque l'annonce a été faite le 12 juin 2024, mais semblerait elle serait morte avant le 12. Donc il dit, il a pris 3 jours de prière. Donc si elle est décédée le 9, il a prié le 9, le 10, le 11, il n'a pas eu suite et c'est le 12 qu'il a annoncé. Dans ce cas-là, on voit que le 9 juin 2024 est un 666. Sur la première ligne, 9 juin 2024. Le 9 serait un 6 renversé. Le juin est un 6. Et le 2 2024 détaillé, ça fait 2 fois 0. Et le 2 et le 4 nous donnent 2 plus 4 qui donne 6. Voilà. Dans ce qui donne 666, au fait. Dans le deuxième des cas, quand on prend le 10, si elle était décédée le 10, il a prié le 10, le 11, et il n'a pas eu suite le 12, ils ont annoncé. Le 12 aussi, il a prié, il a annoncé. Ce qui voudrait nous montrer que le 10 nous donne 1 fois 0, ce qui donne 0. Le 6 juin, c'est toujours 6. Le 2024, le 2 et le 0 là, ce qui fait, on laisse ça à côté, on prend le 24. Le 24 qui nous donne toujours le 2 plus 4 qui donne 6. Quand on multiplie par 2, qu'on avait encadré, qu'on avait laissé, ça fait 2 fois 6. Ça fait 2 fois 6 décalé. Ce qui nous donne 666. J'essaie de mettre ça. Donc, dame feu Blanche Tunassi serait morte sur un signe de 666. Voilà. Une autre vidéo va s'en suivre et je dis quand même à l'aide, je donne la marge au Seigneur. Dans tout ceci, les autres vidéos vont vous donner plus de détails. Moi, j'ai pas assez de temps, mais je fais ceci pour attirer l'attention des gens. La jeunesse surtout, faites très attention. Voilà, et quand vous suivez le monde, on voit que c'était une femme de passeur, mais je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais les autres vidéos vont plus, abonnez-vous pour plus comprendre, voilà. Et faisons très attention, cette dame est morte sous un signe de 666. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, les autres vidéos vont vous détailler plus. Soyez bénis, partagez la vidéo, voilà, sur le signe sous lequel elle est partie. Pourquoi? Voilà, on va plus en parler. Soyez bénis, faites très attention pourquoi elle est partie sous ce signe. Voilà, soyez bénis. Et partagez la vidéo. C'est un 666, son départ. Et même quand on prend le 12 juin 2024, c'est un 666 aussi. Si elle était partie le 12 juin aussi, si c'est le jour où elle est morte. Donc, c'est ça qui m'avait attiré l'attention le 12 juin. Mais ça même, on a dit qu'elle est morte avant, il a prié avant qu'il n'annonce. Donc, tout ça là, c'est 666. Et pourquoi elle est morte un 666? On a annoncé un 666. Voilà, c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Et le peuple est là, ils ne comprennent rien. Soyez bénis. Bye bye. Partagez la vidéo.